Le mot composé de 5 lettres est utilisé très fréquemment en France dans la vie courante. On peut même dire, sans risque d'être démenti, qu'il fait partie des mots les plus couramment utilisés. Même des étrangers peu familiers avec les subtilités de la langue française le connaissent. Pourtant, le dictionnaire de l'Académie française le définit en 1798 comme « matière fécale » et ajoute « Les gens bien élevés évitent avec soin d'employer ce mot dans la conversation. » Bon, que vous soyez français ou allemand, vous avez deviné, bien sûr, il s'agit du célèbre mot « merde », encore appelé « mot de Cambronne ». En effet, c'est le général Cambronne qui a immortalisé ce mot, ou plutôt, c'est ce mot qui a rendu immortel le brave général. C'était en 1815, pendant la terrible bataille de Waterloo, qui vit la défaite de Napoléon face aux Anglais. On raconte que des généraux anglais auraient invité Cambronne à se rendre et que le général français aurait crânement répondu « La garde meurt et ne se rend pas ». Ça, c'est la version officielle. Certains témoins affirment toutefois que le général aurait répondu aux Anglais par un mot beaucoup plus court et plus vigoureux. Quoi qu'il en soit, c'est Victor Hugo qui, en 1862, a osé écrire le mot tabou noir sur blanc dans Les Misérables. Au général anglais qui criait « Brave Français, rendez-vous !» Cambronne répondit « Merde !» Victor Hugo ne s'est d'ailleurs pas arrêté là. Il a même ajouté « Dire ce mot et mourir ensuite, quoi de plus grand ?» L'homme qui a gagné la bataille de Waterloo, c'est Cambronne. Malheureusement, cette version n'est pas vraiment crédible, puisque Cambronne a été fait prisonnier au lieu de mourir en héros. Mais peu importe, Victor Hugo a ainsi assuré d'une façon géniale le succès du mot et du mythe de Waterloo. Et ce n'est que justice qu'une station de métro et une rue portent à Paris le nom du vaillant général. Mais saviez-vous que le plus grand des poètes allemands, Johann Wolfgang Goethe, n'est pas en reste et qu'il a lui-même volontairement choqué la sensibilité de ses concitoyens quelques dizaines d'années avant Victor Hugo avec une image plus violente encore? La fameuse scène se trouve dans le drame Götz von Berlichingen. Götz von Berlichingen est un obéro révolté contre l'injustice et retranché dans son château fort. Il est sommé par le représentant de l'empereur de se rendre. C'est alors que Götz von Berlichingen lance ces mots célèbres « Mich ergeben, er aber sagt ihm, er kann mich im Arsch lecken ».« Me rendre », dit-lui, qu'il peut me lécher le cul. Cette phrase osée dans le drame du jeune Goethe est devenue tellement populaire qu'on peut légitimement prétendre que c'est la citation de Goethe la plus largement connue des Allemands. Elle est tellement connue qu'il suffit d'ailleurs de prononcer la formule « Alors là, je ne peux que citer Götz von Berlichingen » sans en dire plus. C'est une façon très sophistiquée, vous l'avouerez, d'envoyer la pire des injures à un adversaire. Chose curieuse, en Allemagne, aucune station de métro, aucune école et aucune avenue ne portent le nom de ce héros très populaire et sympathique, Götz von Berlichingen. Quelle injustice, quand même !